Bienvenue chez les vieux et méchants. On joue une partie de jeu de rôle en chronique oubliée contemporain. C'est la campagne de l'héritage Greenberg de Mehdi Sami, éditée par Black Book Édition. Lors du dernier épisode, Sean et Rob sont retournés au commissariat du 3e district pour retrouver la carte SD qu'un soi-disant témoin, Babbitt, aurait donnée à l'inspecteur Garfield. Ce dernier affirme avoir égaré la fameuse preuve. Ils en profitent pour reprendre contact avec l'inspectrice Gebauer, la seule du district qui semble vraiment vouloir enquêter sur les zombies. En parallèle, Danny et Aaron vont voir le shérif Podesta de la paroisse Saint-Charles où le fourgon de plasma a disparu. La police semble être dans une impasse et les agents du FBI souhaitent en savoir plus sur le holding Pélican, d'une part, et le mystérieux Cajun Club, d'autre part. En attendant qu'ils arrivent, moi je me renseigne sur Pelican Vault là et le lien avec Pelican Earth. Parce que c'est quand même étonnant de choses Pelican. Déjà, est-ce que le logo il est sans semblable? Faire Est-ce un qu'il y a des liens test. entre les deux? Tu cherches sur ton téléphone? Oui, première vue. On doit bien avoir des logiciels sur le téléphone pour avoir ce genre de choses. Non, pas particulièrement. Oh, l'administration française là, me dit pas que le FBI l'a pas quoi. Non, mais vous avez il y a des sites internet, mais t'as pas un logiciel particulier. Ouais, bon, on a des accès au site internet de registre du commerce américain. Ok. D'accord, ça me va. Alors. Pélican. En fait, c'est la maison mère, c'est Pélican Earth. En effet. Donc elle regroupe trois filiales. La Pélican Estate, la Pélican Vault et la Pélican Environment. Tu peux faire un test d'intelligence, s'il te plaît? 21. 21. Tu arrives à vraiment à démêler ce que fait chacun et comment ça s'organise. Estate, Pelican Estate, elle est dédiée à l'investissement immobilier, la construction immobilière. Elle achète des bâtiments, elle est gestionnaire de ces bâtiments, de bâtiments. Elle entretient, elle vend, elle rachète, voilà. La Pelican Vault, c'est du coup du service de sécurité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du. Ils ont plusieurs filiales à l'intérieur. Ça fait 21, donc des détails. Tu as la MedSafe qui assure la sécurité des divisions médicales. Donc, ça, c'est ce que vous avez vu. La CarSafe qui fournit des véhicules de sécurité et du personnel pour tout ce qui est escorte, patrouille. Et enfin, la CorpSafe qui fait qui loue des services d'agents de sécurité. Bodyguard, quoi. Agent de D'accord. sécurité et bodyguard, les deux. Et enfin, la troisième filiale, c'est la Pelican Environment, qui est dédiée à la promotion et à la préservation de l'environnement en Louisiane, en particulier des terrains appartenant au groupe Pelican Earth. C'est assez bizarre de retrouver un truc d'environnement au milieu de la sécurité et de l'immobilier quand même. Et le PDG de cette boîte ou les personnes importantes, c'est qui? Alors en fait là par contre tu vas tomber, tu vas vite, tu peux avoir des noms de directeurs mais tu n'auras pas le nom des grands patrons. Là ça bloque. C'est un board. Ok. Genre société anonyme quoi tu vois, enfin c'est compliqué. T'as le nom du direct. Tu vas quand même avoir des noms, tu peux aller rencontrer, qui vont correspondre globalement au directeur quoi, enfin aux personnes qu'on peut contacter, etc. Mais pas sur les administrateurs, les présidents, ce genre de choses. D'accord. Ça a l'air d'être une grosse boîte ou c'est régional plutôt? Ça a l'air d'être une grosse boîte régionale. Non, ça a D'accord. l'air d'être Grosse. régional principalement, mais ça a l'air d'être une grosse boîte en Louisiane. D'accord. C'est quand même. Enfin, j'en parle avec mon collègue qui est là. C'est quand même étonnant qu'on trouve une de leurs usines qui a explosé avec une bombe artisanale et puis que maintenant on apprend
qui a une de leurs enfin ils sont impliqués dans deux affaires, c'est quand même je ne crois pas au hasard. Je sais pas ce que tu en penses. Deux affaires simultanées, c'est sûrement pas un hasard. Même si c'était leurs anciens locaux, alors pourquoi ils en sont partis, ça mériterait la peine de demander. Il va falloir creuser l'affaire. Alors, peut-être on pourrait commencer par la Pelican Vault et ensuite aller voir monter plus haut pour essayer de savoir pourquoi l'ancien bâtiment était abandonné. Bah là, on est à la place. Alors, je me disais, soit en fait, on regarde où sont les adresses de la Pelican. Ouais. De toutes les sociétés. Et on regarde, histoire de gagner du temps. Là, soit si on en a dans le coin, on peut pousser jusqu'au Cajun Club. C'est le moment d'aller d'y aller. Vous discutez tout ça à table ? Vous arrivez dans un routier en bord de la National 10 où vous partagez une soupe de tortue assez épaisse, rouge foncé, avec des odeurs d'épices de chili mexicain. Et c'est quoi ça? Un po'boy, c'est du pain imbibé de sauce avec de la garniture qui déborde du sandwich d'un peu partout. Qui vous laisse pas assez de place pour prendre un dessert après, en général. C'est une baguette de pain garnie à ras-bord de crevettes, d'huîtres, d'écrevisses, tout ça des frites dans l'huile avec du roast beef. Ça a l'air bien ? Pas, ouais, peut-être. Un po'boy. Voilà, spécialité de Louisiane. Moi j'irais bien tout seul. Moi, j'irais bien, depuis, c'est pas Bethesda, mais depuis Washington, les piles à faire, là, j'aimerais bien aller voir, mettre une image sur ce club. Très bien, et vous faites quoi, vous ? Après, du côté de l'immeuble incendié, la seule piste qu'on a, c'est les agents de police, et je pense qu'il faudrait mettre en place une filature, donc peut-être pas pour aujourd'hui. Bon, ça, on pourrait dire aux flics de le faire pour nous, non ? Vous nous racontez l'histoire avec le 3ème district, ça ? Ça, évidemment. Moi, je vous dis, il aurait fallu mettre plus la pression que ça sur le... Et en fait, on pouvait pas lui foutre la pression. Le problème, c'est qu'on était au milieu du poste de police, quoi. Ouais, c'est pas faux. Bah, faut... Donc, on pense aller le revoir, quand même, ça, c'est sûr, mais sans la présence de ses collègues. Ou le choper en sortant, le Garfield. Ouais. Et si ça donne toujours rien, bah filature sur HH, le fameux. Ouais, par contre ça on devra le faire nous-mêmes. Hein. Oui. Et puis peut-être plus que filature, il faudrait faire des écoutes. Mais bon, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments à charge contre lui pour déclencher tout ça ? Pour une carte SD, je pense pas que ce soit suffisant. Je pense pas non plus. Que le boss nous autorisera. Oui, surtout qu'ils nous ont bien fait comprendre que c'était pas le pire. Du commissariat, donc on va peut-être pas non plus s'acharner sur lui et lui créer plein d'ennuis, quoi. Ça serait malvenu, je trouve. En tous les cas, il y a leur collègue. Comment elle s'appelle leur collègue ? Le nazi. Gebauer. Collègue Gebauer qui nous a nettement fait remarquer que on pouvait se pencher sur le lieutenant Hendrix. Ça mérite effectivement d'être suivi tout ça. Mais bon, a priori pas pour aujourd'hui. Ils nous ont vu ce matin. On va peut-être laisser les choses un peu se calmer et voir les prochains jours. Très bien. En tout cas, si Danny et Aaron vont au Cajun Club, Rob et Sean, vous faites quoi ? Moi, le but du jeu, c'était de choper la personne à sortie, quoi. Le mec avec qui on devait foutre la pression. De quoi ? La personne avec qui, moi, le but du jeu, c'était d'attendre de le choper à sa pose, quoi. Mais c'était pas très sympa de faire ça, quoi. Ah, tu veux dire Garfield ? Ouais, Garfield, ouais. Ouais, mais est-ce que tu veux pas attendre le lendemain, au moins, ou... Parce qu'il va nous voir deux fois dans la même journée ? Enfin, comme tu veux. Sinon, t'attends ce soir. Tu passes au troisième, tu dis que t'as oublié de filer un truc à Garfield, et puis ils vont te donner son adresse, tu passes le voir chez lui. Tu fais ça à 8-9h le soir. Ouais. Alors, après, on avait fini avec les
les gangs des sœurs Marie là, parce qu'ils devaient nous donner des informations en plus, non? On voulait voir quelqu'un. Bah justement, sinon, c'était Gabauer qui devait nous tenir au courant. Ils devaient pas, ils avaient pas dit qu'ils nous contacteraient, les gars. Mais j'essaie. Vous avez en fait demandé à donner votre contact à un dealer dans les rues de leur quartier, quoi. Qui a dit qu'il ferait passer l'info à ses chefs en disant que vous vouliez plus ou moins jouer contre les zombies et donc que vous aviez les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ouais. Mais pour l'instant, on vous a pas rappelé. Eh ben, soyons patients. De toute façon, on a d'autres choses à faire en attendant. Écoute, on va aller à Imobank, hein. Ouais, les gars, il faudra aller soit à Imobank, soit à Pélican. Je pense que le flic, effectivement, de ce que vous dites, vous l'avez bien. Enfin, bon, ils nous ont déjà assez vus. On va finir par fâcher les services. C'est pas ce qu'on cherche. Pas ça. Conseil, moi. Écoute, Sean, j'ai décidé pour la station de police. Je te laisse décider. Non, bah, pour... go Imobank, quoi. Très bien. Je te suis. Entre nous, je pense que le plus d'infos qu'on aura, c'est chez Pélican. Bah, Pélican, vous y allez, non? Non, on va au club Cajun. Ah ouais, non, mais alors... Mais ça vous dirait qu'on aille ensemble à Pélican après, peut-être? Dans ces cas-là, c'est je ça. Je crois là, que moi... notre collection a rendu... Ouais, moi, vers 15-16h, il faut que je sois libre. C'est, voilà. Alors, pendant que Sean va faire ses affaires, on peut y aller tous les trois à Volt, Pélican Volt. Hein. Normalement, oui. On fait ça. Après, le truc, c'est que vous étiez à côté du Cajun Club. Bah là, on n'y est pas très loin. Hein. Bah, c'est pour ça que vous voulez pousser jusqu'au Cajun Club tant qu'on est dans le coin. Eh bah, allez-y, ouais. Nous, on va au un truc plus proche de la ville. D'accord, et on se retrouve tous les trois après chez Pelican. Ok. Par exemple, oui. Oui, d'accord. Donc, vous allez à Imo Banks, du coup. On est d'accord? C'est ça, ouais. Très la bien. Piste la moins intéressante, mais... Ouais. Je sais pas, c'est possible, tu sais, si c'est un inside job, ça peut être à la fois les transporteurs, hein, tout comme les Mobank, parce que, bon, ils savaient, quand ils ont dû apprendre un peu au dernier moment, les convois, donc peut-être les Mobank les a renseignés, il y a peut-être quelqu'un qui est en affaire avec eux. Avant qu'on se sépare, vous avez des choses qui vous intéressent de leur part? Bah, on apprend le plus. Rien de particulier? Pour l'instant, on n'a rien sur eux, donc... Ok, ça marche. Eh bien, à tout à l'heure, dans ce cas. Ah, bon courage, les gars. Si, le nom de leurs agents, surtout, pour qu'on puisse enquêter sur eux, pour voir si derrière, ils étaient suspects, mais sinon, à part ça... Très bien. Du coup, vous retournez 14... dans la Nouvelle-Orléans... Et Mobank, c'est ceux qui financent Pélican, c'est ça? Il n'y a pas de lien pour l'instant entre Imobank et Pélican. Imobank, c'est ce qui a assuré l'immeuble, alors? Non, c'est Pélican Vol qui a assuré là. Imobank, c'est le convoi de sang, alors à part... Ah oui, Imobank, oui, c'est la montre de sang, d'accord. Oui, autant pour moi, j'étais loin. C'est un centre de collecte de distribution de sang. D'accord. C'est le VFS local. Okay. Donc, vous approchez de son siège qui est situé au 3500 Printania Street, dans un beau quartier, le quartier de Garden District. Et donc, vous allez à l'accueil un peu administratif, mais vous voyez qu'il y a aussi un accueil sanitaire, puisque n'importe qui peut venir pour déposer son sang. Est-ce qu'on remarque s'il y a beaucoup de monde qui vient? Non, pas beaucoup. Il y en a, hein. C'est un bâtiment moderne, comme ça, tout en architecture baie vitrée, de beau béton. Mmh. Et donc, vous vous présentez à l'accueil, devant une agent d'accueil, une vieille dame avec un chignon, enfin une vieille dame, 55 ans, petite, courte sur pattes. Que puis-je pour vous, monsieur? Que puis-je pour vous, monsieur? Bonjour. Donc, enchanté, nous présentons. Donc, Sean McCormick et hop, je suis avec Danny, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Avec Rob. Avec Rob. Triple en douille. Ah, putain. Voilà, et donc Rob. C'est simple, Rob, les cheveux sont en dessous, les Danny, les cheveux sont en dessus. Ah, c'est une mnémotechnique.
Voilà. Résultat, en fait, vous étiez victime d'un vol il y a peu de temps, et donc nous enquêtons, et donc nous sommes venus parler avec les personnes et le service juridique à ce sujet-là, en fait, les personnes qui sont au courant. Oh, très bien. Veuillez vous installer ici, je vais prévenir le directeur. Nous n'aimons pas attendre. Après 10 secondes, elle va te dire bah, vous attendrez quand même un petit peu, parce qu'il est en train de terminer une réunion du comité finance. Je fais les 100 pas, je regarde les brochures en fait. Ok, ouais, parce qu'il y a forcément des brochures. Mm-hmm. Je regarde les brochures du coin et des choses comme ça. Il y a pas mal de campagnes de sensibilisation et de collecte de sang, donc tu vois que c'est payé contre des modestes rétributions. Ils ont des fourgonnettes qu'on appelle des blood vessels, des vaisseaux sanguins, qui vont dans les quartiers pour faire de la collecte de sang aussi. Et je me demande comment ils testent leur sang en fait. Les mecs, c'est petite rétribution, c'est-à-dire que c'est avec les plus pauvres qui viennent. Et après, ils vendent la sécurité, la qualité du sang. Après, le sang il est traité. Souvent, ils séparent le plasma des cellules. Tu regardes, toi, t'es médecin, moi, tu peux me faire un petit test d'intelligence en mettant ton. T'es rang 4 en médecin, donc en faisant plus 4. Il faudra rajouter 4. Donc 13. Toi, ça te semble bien, enfin assez coutumier, assez logique de la manière dont ils présentent les choses. Ils mettent bien en avant le côté santé, propre. D'ailleurs, le hall d'accueil dans lequel vous êtes est nickel. Et le côté sécurité sanitaire de leurs marchandises, quoi, de leurs produits. Après, c'est les États-Unis, il y a un côté très commercial. Plus que charité dans leur démarche, quoi. Mais ils sont pas là pour perdre des sous non plus, quoi. A priori, non. Et donc, il y a des photos du laboratoire, enfin, tu vois. Je vois. Rob, tu tues le temps ? Je sors le Tarth Book. Et bah, je m'informe un peu sur Emo Bank, d'où ça sort, quand ça a été créé, par qui, etc. Je fais un peu la chronologie de l'entité, quoi. Je vais me faire un test d'intelligence. C'est un 16. Emo Bank appartient lui aussi à un groupe. Une maison mère qui s'appelle Multipharma. Et du coup, ils ont différentes filiales. Des liens, des cliniques privées, bien sûr. Il y a une filiale de cosmétiques. Et de la recherche. La recherche pharmaceutique classique, enfin, laboratoire pharmaceutique, quoi. D'accord. Pharma Church, qui s'appelle d'ailleurs, tout simplement. Est-ce qu'on a des noms de cliniques privées dans les environs ? Alors du coup, t'as le nom de la directrice de Pharma Church, là, qui s'appelle Vivian Madsen. Et tu cherches les cliniques. Enfin, t'as quelque chose en tête en particulier? Tu veux vérifier la clinique du Cajun Club, peut-être? S'il y a des liens, ouais. Et oui, il y a des liens. T'as deux cliniques, en fait, dans le Louisiane Sud, qui appartiennent au groupe Multipharma. T'en as d'autres, hein, mais t'as deux cliniques qui sont en lien, qui s'appellent les Cajun Clinics. T'en as une au Cajun Club, donc t'as celle du Cajun Club, qui propose, tu vois, du spa, la chirurgie esthétique, des choses comme ça. Un peu des soins pour riches.
Et t'en as un autre qui s'appelle la Cajoun Clinique Pontchartrain, qui est sur le bord du lac. Et qui est plutôt sur une clientèle de sportifs de haut niveau. D'accord. Ok. Et là-dessus, on a des noms de directeurs sur ces deux cliniques. Est-ce que j'arrive à Il y trouver leur a, nom? tu vois, un article à propos de du médecin, d'un médecin qui s'appelle Nicolas Pipistrello, qui travaille à la Cajoun Clinique Pontchartrain. Parce que du coup, il est, y a, tu trouves un article qui le décrit comme étant le médecin des sportifs. Voilà. D'accord. Il s'occupe, entre autres, il s'occupe, pardon, pas mal de suivre les stars de l'équipe de football américain. Tu De peux me la redire son Nouvelle-Orléans. nom? Ouais. Pipistrello. Nicolas Pipistrello. Je le mets dans le chat. Ça marche. Je l'ai. D'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle l'équipe de football américain, la Pelican aussi. Je vais vérifier, mais je crois que l'équipe de Nouvelle-Orléans de football américain, c'est Pelican. Voilà. Je vais remettre un peu de musique. Et du coup, un peu plus tard, vous êtes invité dans le bureau du directeur. Bien joué. Les Pelicans. Le Pelicans? Ouais. Je vous disais qu'il y avait des pélicans partout. Basket en baseball, en football, en basket et en baseball en tout cas. En football américain pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Bref. Chanté, donc voici Robert Junior Davis et Sean McCormick. Monsieur, je Oui. crois savoir que vous avez été victime. Un vol. Donc, ou en tout cas, vous avez de la marchandise Tout à fait, vous avez des médicale nouvelles de précieuse. mon. Vous avez des nouvelles de du fourgon? Alors, nous avons été dépêchés pour vous. Et donc, le but du jeu, en fait, nous, c'est effectivement, je sais que vous avez déjà parlé avec les locaux, mais on aimerait reprendre l'enquête. Donc, depuis le début, revoir tous les éléments avec vous. Est-ce que vous auriez quelqu'un à nous conseiller pour, entre guillemets, être notre référent chez vous pour l'enquête. Parce que je suppose que votre temps est précieux. Oui, bah en effet, je vous présente Madame Karcharias et Monsieur Ladner. Donc Enchanté, ils sont trois enchanté. dans son bureau. Donc je passe des. Donc c'est sympa, ils sont chez eux, c'est cool. Voilà. Et je leur passe dans ces cas-là nos cartes de visite. Voilà, vous pouvez nous appeler Maître Ladner et Maître Karcharias. Nous sommes les avocats de l'Hemobank Enterprise. Très bien. Donc déjà, est-ce que c'était un convoi exceptionnel? Donc, ou alors genre un convoi régulier, c'était quelque chose qui avait lieu tous les mois, donc toutes les semaines. Nous, on transporte du sang, c'est notre métier. Bref, donc ce convoi-là n'avait rien de particulier. Voilà. Ce Est-ce genre que de convoi est dépêché régulièrement, c'est quoi la fréquence de sortie? c'est mensuel pour ce genre de clinique, voilà. Avec ce genre de sécurité? Avec ce genre de sécurité. Nous Et donc. efforçons d'assurer que la marchandise arrive à bon port et vous voyez qu'on a raison de se méfier. Donc, et là, il y avait, ça veut dire qu'il y avait de la sécurité autour, elle est devenue quoi? Elle a Ça veut dire disparu. que, donc là, alors ça veut dire combien d'hommes ont disparu? Bah, les deux Les qui quatre. conduisaient le fourgon et les deux qui étaient dans la voiture d'escorte. Vous avez pas lu le rapport? Je préfère tout reprendre et vous redemander la source. T'as Madame Karcharias qui dit,
Est-ce que vous pouvez nous montrer vos plaques, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Évidemment. Elle tend la main pour que vous. Elle les prend. Alors elle écrit les numéros sur. Sur son téléphone. Pour vos convois, vous faites souvent appel à la Pelican Vault? Systématiquement. 100% du temps? Oui, c'est notre prestataire de sécurité. D'accord. C'est aussi qui s'occupe de la sécurité du bâtiment. Donc aucun employé de chez vous était parmi le convoi? Non, on s'occupe pas du transport. Les personnes qui étaient dépêchées pour ce convoi, vous les avez vues régulièrement? Alors j'imagine vous pas forcément, mais certains de vos employés, est-ce que vous savez si... Si c'est des têtes qui reviennent lors des convois ou pas du tout? Il n'y avait pas de novices parmi les agents de la Pelican Vault ce jour-là, d'après ce qu'ils m'ont dit. D'accord, c'est intéressant. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que bon, bah, vous allez lire cette de nuit, mais ça m'étonne que vous payiez un supplément pour que ça ait lieu de nuit, ces transferts. C'est toujours de nuit? Souvent, oui, ça dépend, mais ça nous permet d'assurer le convoi plus tranquillement. Et ça arrive comme ça, le matin, le sang est arrivé. Voilà. Donc, c'est pas systématique, mais ça arrive régulièrement. Oui. D'accord. Vous avez reçu des lettres de menaces, entre guillemets, un chantage, et qu'est-ce que quelqu'un a essayé de vous faire chanter pour essayer de récupérer le sang? Est-ce que Absolument des personnes pas. Ont essayé de vous en acheter à tout hasard, à vil prix, ou vous le revendre à tout hasard? Je n'ai rien reçu de cet ordre-là, j'en aurais informé les services de police, bien entendu, si j'avais eu ce genre d'informations à ma possession. Mais vous avez des concurrents sur ce marché, à la Nouvelle-Orléans? Nous sommes aux États-Unis, il y a des concurrents sur tous les marchés. Alors, quel est votre plus gros concurrent, si vous préférez? C'est la Blood Bank. Des gens sérieux, tout comme vous. Vous n'avez rien à nous dire sur eux, c'est juste des concurrents. C'est ça. Vous affrontez un coup de commerciaux, quoi. Oui, il réchigne un petit peu à la qualité pour des prix plus compétitifs. D'accord. Alors que nous, chez Emobank, nous assurons avant tout la qualité des produits et la santé des patients. Oui, j'ai vu votre brochure, elle explique très bien votre démarche à ce sujet-là. Vous voulez visiter le laboratoire, peut-être? Ah, je serais enchanté. On vous suit. Eh bien, donc, je fais un test de perception à tout hasard. Donc vous passez par un sas de décontamination, vous mettez des blouses, des charlottes, des surchaussures. Vous avez l'air tout beau avec vos trucs en papier blanc partout autour de vous. Je me prends en smiley en fait. Je me fais un selfie. On critique pas les blouses en papier blanc et tout ça. Et on l'envoie à nos deux collègues. Voilà. Et du coup, vous allez en fait dans la partie labo où le sang est utilisé. En effet, y a pas mal de gens qui travaillent, c'est une grosse boîte. Avec des centrifugeuses et autres machines. Et en fait, il va vous emmener et puis après, rapidement, il va vous laisser entre les mains de son directeur de laboratoire qui vous fait le tour un petit peu et qui vous explique par A, par A plus B où arrive le sang, comment il est traité, comment est-ce qu'il est conditionné. Il vous montre les gros blocs de sang qui devaient être dans le camion. Je crois qu'il y en a 8 de mémoire, c'est dans le dossier. Donc dans lequel les containers en fait 80 litres de plasma, c'est ça, et je crois que c'était, il vous montre, c'était 8 8 grosses 8 bidons de 10 litres en fait. Je me rends pas compte en fait, 8 bidons de 10 litres, 80 litres, c'est un convoi, un gros convoi, petit convoi, parce que non, ça fait pas beaucoup, 10 litres ça te fait un bon jerrycan, tu vois. Oui, mais oui, non, mais je suis. Sauf comme il est dans des containers spéciaux, réfrigérés, machin, ça fait, ouais, ça te fait un van, quoi.
D'accord. Un van un peu, tu vois, genre un transport de fond. Mais je vous avais montré la photo. Les aides de l'œil. Ok. 8 fois 10 litres, c'est pas énorme pour un fourgon. Je peux, par contre, je vais. Ouais, je me souviens pas. Vous n'avez pas les numéros des intervenants, on est bien d'accord. Enfin, des 4 personnes qui ont disparu, c'est la Pélican qui les connaît. Ah bah oui. Ok. J'envoie un texto à mes collègues pour qu'ils demandent les numéros des. Enfin, on les a dans nos archives, mais. C'est pas là qu'on va. Hein. On ne s'y retrouvera tous après. Ok, bah je leur demande les numéros dans ces cas-là pour lancer une recherche. Pour voir, ils ont borné les choses comme ça, quoi. Très bien. Au niveau du convoi qui a disparu, est-ce que vous pouvez nous confirmer le destinataire? Du coup, oui, c'était un convoi qui était prévu pour aller à la clinique du Cajun Club. D'accord, et ça arrive souvent que des convois se dépêchent pour la clinique du Cajun Club? Tous les mois. 100% de vos convois sont destinés au Cajun Club? Non. D'accord, parce que vous. C'est votre plus gros client ou. Je croyais que tu demandais combien il y avait de. Il y a un fourgon par mois qui part à Cajun Club, mais des fourgons, on en fait plusieurs par semaine. Hein. Rien que pour l'UMC, on en a un qui part tous les 3 jours. Effectivement. Pour l'UMC. C'est l'université. C'est l'hôpital central de Nouvelle-Orléans. Là où on a soigné un collègue. J'ai peur de dire parce que j'ai encore me trompé sur le nom. Donc... Ok. Et sur sur les convois qui ne vont pas au Cajun Club, au niveau de la sécurité, c'est toujours du Pelican Vault? Tous nos convois sont assurés, la sécurité de tous nos convois sont assurés par la Pelican Vault. Ok. Et on est d'accord, c'est la première fois qu'un de vos convois disparaît. Oui. Il n'y a pas un petit container de 10 litres qui a disparu ou des choses comme ça avant? Entre guillemets, vous n'avez pas eu un problème de stock ou d'inventaire? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance, d'accord. Et bien là, je vois que entre guillemets, j'inspecte et je vois que la chaîne est rigoureuse, j'imagine. Oui, tout a l'air correct pour toi. Tu peux faire un test de perception aussi, si tu veux, Rob. Moi, de toute façon, j'ai rien perceptionné. Est-ce que ça part en recherche de preuves ou pas? Non. Ok. Parce que tu fouilles pas en fait, tu te contentes de regarder. Oui, c'est pour ça que je te posais la question. Bienvenue au club. Rien de spécial. tu connais pas grand chose dans ce genre de labo. Tu connais un peu les machines techniquement, tu regardes un peu comment ça fonctionne. Mais voilà. C'est du matériel de haute technologie. Vous voyez, ça c'est impressionnant, c'est un vrai labo high-tech. En tout cas, vous repartez, il vous raccompagne tout doucement jusqu'à la sortie, le directeur du laboratoire. Quelle personne gentille. Avant de partir, est-ce qu'on peut regarder, enfin, voir leur véhicule de transport? Ouais, tout à fait, oui. D'en inspecter un. Hein. Vous n'avez pas des traces sur GPS sur vos véhicules, à tout hasard? Si. Bien sûr. Et qui récolte les données de ces traceurs? L'entreprise de sécurité. Évidemment. Donc il te montre un de ces fourgons, donc à l'intérieur tu vois qu'il y a en effet des espaces pour mettre les caissons. Donc on peut en mettre... En effet tu disais que ça faisait pas beaucoup, en effet tu peux en mettre plus. Dans un van tu peux en mettre 16. Donc tu peux potentiellement transporter 160 litres. Et donc tu vois, il y a des espaces dédiés pour qu'ils soient bien harnachés. Et ils sont dans des containers hermétiques et sécurisés, frigorifiés, machin. Et je regarde s'ils sont numérotés les containers avec des numéros de série, des choses comme ça. Les containers sont numérotés. Ouais. Ils ont pas des numéros sur le container, ils ont des fiches de suivi en fait, avec un code barre. Est-ce que je peux récupérer la marque et le type de véhicule? Histoire de retrouver toutes ces caractéristiques plus tard sur le net ou quoi. Ouais, tu peux. Ouais.
On l'a déjà dans le rapport, pour info, c'est une fourgonnette blindée Ford E350 blanche et immatriculée 5HEML12. Je te remercie. Oui. J'ai rouvert le truc, mais oui, effectivement. Ça marche, bon, on a tout. Comme j'ai pas une excellente mémoire, tu vois, sur place, je préférais vérifier. C'est... Ils vous avaient porté plainte, bien sûr, ils ont porté plainte, à tout hasard. Ah oui, une enquête. Ah bon, on serait pas là sinon. Oui, non, mais c'est. C'est eux qui ont averti les services de police. Ok. J'ai pas d'autres choses en tête de mon côté, Sean. Non, c'est pareil, on a vu le truc, ils nous ont répondu, ils nous ont gentiment revenus. Donc, moi, ce qui m'étonne, j'ai juste une petite interrogation, c'est que. Effectivement, je suppose qu'il faut que le sang soit à peu près frais aussi. Ça se garde pas non plus des mois et des mois. Donc, le convoi. Je me dis que le convoi était pas plein et donc il est peut-être plein d'autres choses avec, mais c'est tout. Mais on va les remercier et leur dire qu'on reviendra vers eux dès qu'on aura plus d'amples informations. Avec plaisir, nous comptons, nous espérons que vous puissiez non pas retrouver la marchandise, parce que la somme c'est pas quelque chose de très important pour nous, mais retrouver les criminels qui nous ont attaqués et qui nuisent à la réputation de fiabilité de nos services. Moi, surtout, c'est les 4 humains qui ont disparu aussi qui m'interpellent. Accessoirement. je vois vos priorités. C'est les avocats. En fait, il vous a lâché, hein, le directeur. T'as juste les deux avocats qui vous ont suivi quand vous étiez avec le directeur du labo après. Et Chessel, il est pas resté avec vous après. Oui. En fait, quand vous êtes habillé, lui, il s'est pas habillé. Charlotte et tout ça. Oui, il n'aime pas se ridiculiser, j'imagine. Donc, vous vous rendez donc aux alentours de Gonzales, sur les bords du Mississippi. Dani, alors que tu es au volant, vous suivez une grande route qui longe des marais en approchant du Cajun Club. Et tu as un sentiment de malaise associé à un sentiment de déjà-vu. Tu te rappelles que cette nuit, tu as fait un rêve bizarre. Tu peux me faire un test de choc, s'il te plaît? Donc, charisme plus ton nombre de points de choc. Charisme plus ton nombre de points de choc actuel. PC3. Ça et ce sera un plus 3, ça fait 16. Très bien. Donc, assez diffus, tu t'es réveillé dans la nuit, t'avais un peu en sueur et t'as des images confuses et ça te revient seulement maintenant de patauger dans le marais et tu l'associes aussi au regard de Milberger, l'agent du FBI. Que tu as déjà vu la nuit d'avant. Et en passant, en longeant cet espace-là, ça te rappelle ça. Et donc vous passez à proximité d'un grand aéroport, enfin non pas d'un grand aéroport, un aéroport assez moyen, un aéroport régional qui est là. Vous arrivez ici à un portail avec un guérite. Vous avez pu regarder les images satellites. Vous savez qu'à l'intérieur il y a un golf. Il y a différents bâtiments, un héliport, un practice, des terrains de tennis, un morceau de forêt. Et qu'ensuite, tout autour, c'est du marécage. Puis une piscine, bien entendu. Du coup, là, il y a une petite guérite avec une portail. Et donc, il y a des agents de sécurité qui vous arrêtent. Et qui prend vos noms. Qui préviennent à l'intérieur et puis ensuite ils ouvrent la barrière vous permettant d'avancer. Vous voyez cette magnifique allée bordée d'arbres centenaires. Ou des cyprès ? Je pense que c'est des chênes. Et ils emmènent jusqu'à la golf house, on va dire, la maison de plantation. C'est une maison de maître. Et vous voyez qu'il y a pas mal de golfeurs qui circule aux alentours. C'est un grand hall majestueux. Sur le parking, il n'y a que des voitures de luxe. Les,
les personnes de service sont tous en costume impeccable, 4 pièces. Et vous êtes tout de suite accueilli et mis un petit peu de côté dans un bureau, dans un salon, sur des fauteuils confortables, avec des tableaux de maître au mur, enfin des tableaux de peinture au mur, par le vice-président du Cajun Club. Oui, j'ai oublié de préciser, on n'arrive pas à la plaque en avant. Hein. On est, enfin, moi, pour ma part, je suis en costard, mais je sais pas comment t'es, Aaron. Mais pas comme d'habitude. Hein. J'ai pas la plaque visible. Non. On va être gentil au départ. Non, pas visible. On essaie d'être discret. Le but, c'est pas de le mettre mal à l'aise devant. Exactement. Tout à fait. Très bien. Et donc, vous rencontrez Monsieur Lacombe et son chien. Dans la tête. Donc, dandy, costard noir, très strict, canne à la main, chien de race, ultra dressé au pied. Messieurs, je vous en prie, installez-vous. Merci bien. Agent Upshaw, agent Zalewski, FBI, nous intervenons sur le vol de sang qui a été à destination de votre club, celui qui vient de... J'ai jamais me souvenir. Ah, MO Bank. Oui, j'ai eu vent de cette affaire. Très bien. Je vous en prie, posez vos questions. Bien, merci déjà de nous recevoir et... Venons-en, vous faites tout de suite votre client. Merci, j'aurais pu très bien vous laisser à la grille. Et nous aurions eu besoin d'une commission rogatoire pour rentrer chez vous, ça aurait été bien dommage. Clair, nous gagnons tous du temps. Probablement jamais obtenu. Mais en tout cas, nous vous remercions de nous accueillir. Si vous acceptez de répondre à nos questions, donc votre clinique, vous pourriez nous en parler un petit peu? Celle où était destiné le sang. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui la fréquente, est-ce que c'est réservé uniquement au club, est-ce que vous faites souvent des commandes, vous avez fait affaire uniquement avec Hemobank, ce genre de choses par exemple. Tous les services du club sont réservés aux membres du club. Donc la clinique en fait partie, en effet. Donc si vous n'êtes pas membre du club, vous ne pouvez pas accéder aux services de la clinique. D'accord. Et vous commandez du sang uniquement à Hemobank ou à d'autres entreprises? Uniquement également. À Hemobank, dans la mesure où ils arrivent à satisfaire nos besoins. On n'a pas eu à s'en plaindre. Très bien. Est-ce que vous avez eu C'est de la logistique interne, hein, entre la clinique et Hemobank. Le club, en fait, en lui-même, ne s'occupe pas de ça. Très bien, oui, effectivement. Et les pourquoi les personnes préfèrent venir profiter de vos offres de soins dans la clinique plutôt que dans un hôpital? Vous n'y comprenez vraiment rien, monsieur agent McMahon. Pardon, excusez-moi. Vous m'avez dit... agent Zalewski. Vous préférez manger dans un fast-food ou dans un restaurant 3 étoiles? C'est la même chose pour les soins. Très bien. Donc, que pouvez-vous nous dire sur ce vol? Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Vous avez été prévenu? Comment ça s'est passé? On n'a eu aucune information spécifique par rapport à ce vol. Sinon, on nous aura informé les autorités, bien entendu. D'accord. Est-ce que ça a gêné l'activité de vos services? Enfin, des services de la clinique? Je crois que certaines... Certains soins qui étaient prévus ont dû être décalés, en effet. D'accord. Je peux faire un test de perception pour voir si ça me met mal à l'aise. Tu peux faire un test, en effet. Voir si les questions de savoir si ça a été décalé, les opérations, ça le gêne. Oh bah, j'ai pas la main d'avis. Franchement, on a les fins ce soir. T'as l'impression d'un mur de glace. Cet homme est un mur de glace, me dis-je intérieurement.
Et sinon, il serait possible de visiter rapidement, bien sûr, la clinique. Hein. Oui, bien sûr. À ce moment-là, il faut que vous déboursiez la somme pour devenir membre de notre club. Puis ensuite, que notre groupe accepte que vous deveniez membre du club. Et alors, après, vous pourrez avoir accès à la clinique. Ça n'a pas l'air de vous perturber tellement, cette histoire de vol de sang. Ça me concerne pas beaucoup, à tout vous dire. Et donc votre club, le président, c'est le père de feu le sénateur Greenberg, c'est bien ça? En effet, c'est le sénateur Greenberg, le président du club. D'accord. Et j'imagine que il a dû être très affecté par la mort de son fils récemment. Cela ne me concerne pas, et vous non plus. Je le regarde assez longtemps dans les yeux. Avant de tâter mon collègue du regard, est-ce que tu as des questions à lui poser? Non. Laissez Monsieur Lacombe tranquille. Très bien, bah écoutez, Monsieur Lacombe, nous vous remercions de nous avoir reçus. Je lui donne ma carte si vous avez besoin de me contacter, voilà le numéro. Et nous allons vous laisser à vos affaires. Très bien. Il tend pas la main, tu poses la carte sur la table. Je regarde le chien, il a l'air comment, le chien? Bah, il a l'air... Il a l'air chien. Docile. D'accord. Il a pas l'air méchant. Après, c'est un dog, je sais pas ce que c'est comme race, d'ailleurs. T'aimerais pas quand même qu'il chique, quoi, mais... Ouais. Bon, bah, on peut sortir de là, bon... Tu peux me faire un test de perception en sortant. Ok. C'est de mieux en mieux. La vache. Fumble de Aaron. Je me crève un œil en regardant autour. En perception pure ou... Perception pure sans s'aiguiser. T'es en train de regarder partout autour de toi, Aaron, et tu rentres dans un client, en fait, sans faire attention, tu sais. Et dans un serveur, plutôt. Qui renverse un plateau rempli de verre qu'il allait servir au bar. Oh, excusez-moi. Ce n'est rien, monsieur. Le serveur, il jette un regard noir quand même. Je l'ignore royalement. Vous ressortez. Sans rien de spécial. Ouais. Dany, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, c'est un peu la réaction à laquelle je m'attendais dans ce foutu club de riches. Ouais, moi aussi, j'avais surtout envie de poser une image sur le lieu, mais je m'attendais pas à moins d'un club de riches. T'as ton petit sentiment de malaise que t'as eu tout à l'heure sur la route, Dany. Ouais. Tu le ressens et tu l'as ressenti aussi en présence de la combe. Là, quand tu sors du bâtiment, ça va un peu mieux. Mais toi, t'as la petite boule au ventre, comme un début de nausée un peu. Eh ben, t'as l'air pas lourd, qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'ambiance des lieux qui me plaise un peu là. Ah, c'est des riches qui pètent plus haut que leur cul, mais bon, détends-toi, mec. Ouais. Sans doute les marais et ouais. Le sandwich de ce midi est un peu épais, c'est vrai. Ouais. Bon bah écoute, j'espère que les collègues ont eu plus de succès parce que c'est pas glorieux pour nous. Enfin, non, bon, bah, quand il a refusé qu'on visite la clinique, j'ai compris que... Oh, tu t'attendais à quoi? Pas à grand chose. C'était évident qu'il nous laisserait pas rentrer, malheureusement. Non, mais pendant qu'on s'en va, j'en profite pour repérer un peu les lieux. Qui est où, dans quel ordre? Je suis en train de me demander quand même, sénateur Greenberg, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, tout ça, un pélican, etc. Moi, je crois pas à coïncidences, hein. Je sais pas si tu y crois, mais... Non, il y a de la magouille derrière, après. Et je suis en train de me demander, bon, j'ai essayé de guetter ce qu'il pensait vraiment, mais bon, cet homme est un mur de glace. Et je me demande si le vol de sang ne serait pas pour gêner une opération qui aurait pu avoir lieu ici au Cajun Club. Parce qu'il a dit que certaines opérations avaient été retardées.
Je sais pas, ça me semble un peu bizarre de venir se faire soigner ici quand même. Ah, moi ça me choque moins, t'as l'aéroport juste à côté, les cliniques de luxe. Je sais bien qu'on est dans le land of the free, mais quand même. Donc en toi, si t'es riche et que tu veux te faire une petite opération tranquille, tu viens, c'est sûr. Ouais, c'est là que tu viens de faire ton botox en fait. Ouais, mais du sang, ça veut dire une opération un peu plus poussée que juste de la chirurgie esthétique quand même. Okay. Bon, de toute façon, on n'est pas en charge du dossier financier sur l'affaire Greenberg, on est juste là pour le sang, donc à mon avis... T'as raison, mais il faut exclure aucune piste. Non, je pense qu'on y reviendra. J'ai le sentiment que nous y reviendrons ici, mais pour l'instant, on va devoir se contenter de la pélicane. Très bien. Quelle heure, là Là, il est milieu d'après-midi.